Coucou YouTube, nous sommes sur Hearthstone et tu vas voir c'est incroyable parce qu'on va continuer l'aventure. Enfin du moins on va essayer. Viva l'aventura. Yeah, c'est parce qu'on a mis ça en titre de live, donc très drôle. Donc le casse du siècle est toujours à cet endroit où on a un petit peu de difficulté, hein, vraisemblablement à vaincre donc le fort pourpre. On a du mal, on fait face à un tavernier des enfers qu'on ne parvient pas à battre, donc on va y penser. Cette fois-ci, on va essayer d'optimiser notre deck en fonction de cette carte des enfers à 3 qui se reproduit à l'infini, bien sûr. Mais surtout, je vais peut-être essayer de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que d'habitude, c'est vrai que j'aime bien avoir de la légendaire. Mais j'ai changé mon titre, c'est gentil. J'ai changé et j'ai mis le nom du jeu aussi. On repart sur le mage parce que Rakadishu, moi j'aime beaucoup. Alors, du coup... Je reste sur mon explosion de feu parce qu'en réalité, voilà, je reste sur de la base, on reste sur du basique. On va essayer de faire tel que c'était prévu. T'as jamais réussi à jouer à ce jeu, pourquoi? C'est le côté des cartes qui te rend difficile. Parce qu'en vrai, c'est assez simple, je trouve. Salut Adaro! Et bon appétit, évidemment, hein, si vous êtes à table ou en train de vous sustenter en regardant cette grosse performance qui s'annonce. Parce que là, il y a de la performance qui s'annonce. Hein. Vous ne le savez pas encore, mais ça va arriver, quoi. Alors, donc, en ce moment, comme on est dans le fort pourpre, on a genre une carte en prison. Ça, c'est une chose. Chaque fois que vous lancez un sort, donne plus un PV à ce serviteur. Oui, pourquoi pas, sauf que je vais pas lancer de sort tout de suite. En vrai, j'ai envie juste de draguer mon dragon. D'accord, Nao, dragonophile. Je mange une fondue savoyarde. Ah yes. Moi j'ai mangé une raclette il y a pas longtemps, tu vois, on est un peu de la même team. Je suis plutôt très nulle au jeu de cartes. Eh bien, peut-être qu'en me regardant... Je suis peut-être pas la meilleure personne à regarder pour s'améliorer vraiment, mais bon voilà. En tout cas, on a cette carte qui est emprisonnée et qui dans 4 tours va pouvoir s'évader. Et lui, il en a une avec provocation en plus. Chiant. On va essayer de les tuer avant. Mais du coup là, on peut rien faire parce que j'ai rendu ma 1. Dommage. Mais là, on va partir avec le dragonnet. Le dragonnet féerique, je pense. Hop. Travail terminé. C'est quoi déjà son sort? Ah oui, il peut faire des combos de dégâts, etc. Mais c'est pas le moment défendu, il y a des raquettes, il fait 800 degrés. Alors moi, pour ma défense, la canicule n'avait pas tout à fait vraiment commencé. C'était la veille, mais il faisait quand même chaud, hein. On était sur du bon à 25 degrés, quoi. Ah, ça c'est embêtant par contre. Ça c'est embêtant parce que si je mets mon dragon là-dedans, il meurt. Hein, c'est embêtant. Ou alors est-ce qu'on essaye d'avoir un sort? Allez, on essaye d'avoir un sort. Ben voilà, déflagration des arcanes. Hein. Moi je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Hein. Donc paf, les 2 points de dégâts qui étaient nécessaires et comme ça on peut face. C'est bien, on a eu de la chance, hein, vraiment. Moi je dis, il n'y a pas de saison pour la raclette, donc il faut se faire plaisir à un moment. Hein. Vous avez envie de manger une raclette? La seule chose, c'est que je trouve que le goût du fromage en été n'est pas tout à fait le même que le fromage qu'on trouve en hiver. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison pour la raclette, je vous dis. Donc on va mettre l'élémentaire d'eau. On prépare tout ça. Et du coup, bah, prochain tour, c'est win, hein, s'il ne tue pas ma carte. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Bah c'est win quand même, hein, malgré ça. Belle tentative en tout cas de Lizzie le Rouge pour me vaincre, mais ce ne sera pas suffisant. Et suivant. Rapide, efficace. Voilà. C'était pas le plus dur. Bah si justement tu sors à l'extérieur, tu laisses le fromage 5 minutes au soleil et hop, ça fait une canif. Une caniclette. Une caniculette. C'est marrant ça. J'ai pas testé. Rapide, efficace et pas cher. J'avoue que franchement, c'est de raclette. Mais je crois que ça existe aussi, la barbeclette. Raclette au barbecue. Mm-hmm. On m'en a parlé déjà. Hein. Je sais pas. J'ai jamais pratiqué pour le coup. Mais voilà. Alors, effet passif, double vos points de vie de départ. Oui. La carte la plus à gauche de votre main coûte 2 cristaux de moins. Ok. Vos serviteurs qui coûtent 5 cristaux ou plus n'en coûtent que 5. En vrai, ça c'est vraiment bien. C'est vraiment fort. Moi je pense qu'on peut rester là-dessus. C'est que des avantages. Moi j'aime bien. Sceptre d'invocation. Ce qui va nous permettre de prendre de très grosses cartes.
Évidemment. Et ça, on adore. Du coup, je commence déjà à avoir les yeux plus gros que le ventre, alors que j'ai à peine commencé. Moi, j'aime beaucoup Luna, l'astronome. Oh là là, je vous avoue que du coup, on part sur de la légendaire. On part là-dessus, du coup, hein. Comme ça, on a des grosses cartes et on peut step up notre passif, évidemment, hein. Non, mais c'est fort qu'en fonction de ton loot. Bon, bah tant pis, hein, je suis partie là-dessus de toute manière. C'est fait, j'ai envie de dire. Hein. Il va falloir y arriver, c'est tout. Hein. Moi, j'ai vu la légendaire, j'ai pris. Hein, vous connaissez ma faiblesse pour toute carte un petit peu légendaire. Je n'apprends pas de mes erreurs. Vraisemblablement, je n'apprends pas de mes erreurs. Donnez-moi votre trésor! Vous faites quoi dans ma boutique? Après, pour les vrais archéologues, il y a la première partie de la série qui dure 26 saisons. Hein? De quelle saison vous parlez? De quelle série? Je vais garder le tour de magie, l'apprenti du sorcier. Le mieux quand tu joues full légendaire, c'est la carte qui divise le prix de toutes les cartes par deux. Ouais, mais là, j'ai pas. Je n'y avais pas proposé, du coup, je ne peux pas. Je ne peux point. Alors, j'ai un professeur putricide qui va se déverrouiller. Pourquoi pas? Sauf que j'ai pas de secret, donc super synergie en tout cas. Et lui, un gardien de cobalt. Qu'est-ce que c'est son sort déjà? Ah, il rend point de vie à son héros à chaque fois qu'il a fait un sort. Bon, bah du coup, tour de magie. Piocher deux cartes. C'est pas mal ça. On va piocher. Ah, Docteur Wu! Parler de Doctor Who, c'est vrai qu'il y a beaucoup de saisons sur cette Oh, je série pourrais aussi. Hein. avaler une bouchée de plus. Et il fait rien. Si vous Yes, tant assistez. mieux. Je pense que je vais mettre l'apprenti du sorcier, même si je fais pas de sort. En espérant qu'il me la tue pas, quoi. Ça va saigner. Je pourrais presque mouton. Non, parce qu'en vrai, il est mort. Est-ce que je profite? Pff, alors là, j'ai pas vraiment de. J'ai pas envie de tuer mon truc. Je préfère le mouton, bizarrement, et aller là-dedans. Comme ça, peut-être il peut pas me tuer mon apprenti du sorcier. Et. Bah si. Bah c'est pas grave, parce que je pingerai son mouton. Ah non! Bah je ping son mouton tous les jours. Je pique son mouton et je pioche. Voilà. Et là, on va commencer à faire des dégâts, bien sûr. Bah là, il est mort. Hein. Bon, ok, il me tue apprenti, ouais. Il vient se mettre les 5 de dégâts à l'endroit. Bon, j'ai plus de cartes, j'ai plus de cartes. Mais c'est pas fini parce que regardez ça. Celui-là, il est intéressant, bien sûr. Ah, on va le mettre d'ailleurs parce qu'il coûte que 5. Ah, voilà que mon pouvoir passif y sert, voyez? Ça va saigner. Ben voilà. Trop efficace! C'était encore une fois pas le plus dur. Donc on continue bien sûr sur cette lancée. Allez hop, au suivant. Alors du coup, on a l'archimage Antonidas qui peut être très très sympa avec quelques sorts, une torche oubliée qui permet en plus de d'avoir une autre carte sort. Sinon le portail des terres de feu qui en plus de faire 5 de dégâts coûte 5 cristaux, mais je crois que c'est mon passif c'est que les serviteurs hein. Mon passif c'est pas les sorts, sinon c'était très intéressant mais je suis pas sûre. Sinon, on a à nouveau un Baron Guédon, un Docteur Boom ou encore un vieux Déjecteur. Dans Légende, il y a des légendaires super fortes, donc je pars plutôt sur Légende. Après, vous allez dire que Nao, la légendaire, blablabli, blablabla. Hein. Mais si je tombe sur une Jaina, Tawin, Aze. Pourquoi? On est d'accord du coup que invocation, le portail des terres de feu, ça marche pas avec, avec mon passif. Je veux juste être sûr avec vous, vous allez me dire.
J'ai pas bien lu mon truc. Maintenant qu'on en parle. Bah regarde ton passif. Bah ouais, bah il est où? Ah bah il est là. Non? Ah il est là. Non, c'est les serviteurs qui coûtent 5 restos. J'avais pas vu que mon passif était en haut. Oh, ça va. Oui, il est là, je me fais engueuler. Waouh. Bah du coup, on prend les jambes alors. Allez. On prend les jambes histoire de se servir un maximum de notre passif. Oh, je vais mettre des grosses cartes à 5, c'est incroyable. Regardez, j'ai un bras indépendant de mon corps, c'est rigolo. Hein. Je vais remonter mon truc avant que mon sang n'apparaisse sauvagement. je transpire, c'est horrible. Alors. Bon, ça fait quand même beaucoup de cartes à 5, hein. Non, on a quand même envie d'un peu d'early game, quoi. Hein. Là, on a rien du tout. Bon, à la rigueur, c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on va un automate mécanique double les dégâts et les soins de votre pouvoir héroïque. Nice. Ça, enfin, ça peut nous servir. Et lui, là, camouflage et qui donne plus 1 d'attaque à tous ses autres serviteurs. Alors, on va partir directement sur l'anomalie arcanique. Oh là là, il peut réduire au silence ses serviteurs. Ça, c'est très chiant. Lui, il va être chiant. Pas se mentir. Mais c'est pas grave, parce que on va quand même lui faire des dégâts. Hein. Salut Mignane, j'ai chaud, bonjour. Comme nous tous, on a tous chaud, on suit du cul. Toi aussi du coup, on en a dû. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est un temps à rester en intérieur et à regarder des streams. Sauf que le PC chauffe. Bon, ça rajoute de la chaleur dans la pièce. Ah, ça me silence ça du coup, bah yes. On va partir sur le petit corbeau messager, hein. Et alors, à partir du T5, on va se faire grandement plaisir, hein. Ça va être la folie. Alors, qu'est-ce qu'on prend? J'ai envie de prendre l'astromancienne. Très très fort, l'astromancienne, bien sûr. Alors là, une petite pièce m'aurait mis vraiment bien. Chez moi, c'est couvert, il fait trop bon. Ah, t'as la chance d'Arkeras, quand même. Donc toi, côté de tour, c'est ok, côté de tour. Ah, il a une tranche feuille monstrueuse qui ne peut pas attaquer, mais problème, c'est qu'il va pouvoir éventuellement la silence. Du coup, vaporisation, c'est très très fort. Parce qu'avec un peu de chance, il va vouloir aller directement sur mon héros et l'abîme, destruction de ce personnage. Ah, il silence du coup, ça lui donne pas de trucs. Ah non, tu m'écartes. Oui, tu m'écartes, écoute, très très bien. Moi je pense que je vais partir sur l'astromancienne parce que ça va faire 2 cartes du coup. Et ça c'est vraiment bien. Franchement, on est très très bien. Je veux dire, je pense que là... Bon, évidemment c'est la 2-2 qui meurt, à croire qu'il savait. Il savait, hein. 5, 6, 7, 8, j'ai le létal, hein. Tombée sur ce boss en héros au tour 1, elle silence tout ce qu'elle pose et tout ce que tu poses automatiquement. Elle m'a défoncé la gueule à coup de 7-7 qui peuvent pas attaquer mais et ben moi, c'est moi qui lui défonce la gueule et elle n'a rien pu faire. Bon, par contre, pour l'instant dans mon setup, je vois pas ce qui peut me sauver du tavernier là. Donne un tour supplémentaire, puis donne un tour supplémentaire à votre adversaire. Ouf. Ajoute 3 cartes aléatoires dans votre main. Elles coûtent 0 cristal. Ça, c'est bien, ça. Ouh, le petit 20 points de dégâts réparti entre tous les adversaires. C'est pas mal, aussi. En vrai, t'as ça. Tu le balances sur les taverniers. C'est pas mal, aussi. À droite, les 20, c'est pas ouf. Ah bon? Donc on préfère avoir 3 cartes aléatoires dans notre main. Qui coûtent 0. Le 20 c'est pas ouf, c'est trop random. C'est vrai que ça peut faire proc plein de taverniers. On va partir sur Monsieur Muscle alors. Les 3 cartes c'est rentable. Ouais, nous avons encore des légendes. Hein. Oh là 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 là, ajoute des sorts dans notre main, ça peut être très très bien. Oh là là, c'est très très bien. Bon après elle coûte 5. Faut quand même pas repartir là-dessus quoi. Ah, j'avoue que le petit choc de flamme... Ouais, mais non, c'est un sort. Du coup, ça... Bon.
C'est des légendaires. Qu'est-ce qu'on prend? On prend les légendaires encore? On a tellement les yeux plus gros que le ventre. On prend les légendaires. Allez, moi je suis dégoûté. On prend les légendaires, vous avez dit légendaires. On va voir Bob le barman en plus. Allons-y. Les légendaires. Les légendaires. On a toujours plus de légendaires. Alors, propose-moi des légendaires, j'espère. Hein. Vous êtes tous les bienvenus, tant que vous ne causez pas de problème. Appelle des serviteurs avec 1, 2 et 3 d'attaque. Pourquoi pas. Le cyclone de mana, bof bof. Et le secret, bof bof. Ajoute tous les serviteurs dans votre deck. Ils gagnent 1 plus 1. Non, je suis pas fan. Vous choisissez un serviteur allié. Ce dernier commence toujours dans votre main. Moi, j'aime bien le petit dragon féerique qui commence toujours dans ma main. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous choisissez un serviteur allié. On ajoute 3 nouvelles copies dans votre deck d'aventure. À la 8-8, pourquoi pas aussi. Ou augmente de 5 PV, de 5 vos PV de départ. Merci Pelito pour le sub. Tu es une légendaire dorée. Et bienvenue dans la Horde. Je prends la 5-7 et je fais 3 copies de la 5-7. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Merci à vous tous de fréquenter mon établissement. Parce qu'avec mon passif, c'est très très fort. Et alors du coup, j'ai le choix. Est-ce que j'augmente de 5 PV de 5 PV. Ou alors, est-ce que je prends... Moi, j'aime bien, pourquoi pas le dragonnet féerique. Ou plus 5 PV. Plus 5 PV. Bonne nourriture. Bon allez, plus 5 PV. On tente. Comment ça va Nao? Bah ça va bien. Ça va très bien. Allez, terminé. On y va, on tente. Oh là là. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas, mais... Ah, Wirt l'omniscient. On passe aux choses sérieuses. Tu vas avoir un board impossible à nettoyer. Oui, mais il faut que j'arrive à le mettre, quoi. Faut que j'arrive à step up... Mon board. Wirth, l'omniscient. J'ai pas envie le prophète. On va garder le corbeau et c'est tout. J'ai plein de trucs à mettre T5, donc c'est ok. Ah, c'est pas mal. C'est un bon début. On a des bonnes cartes dans notre main. Oh, en vrai, notre passif il est très très fort là avec les cartes qu'on a. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai débloqué? Une hydroflo amère. Ouh là là. Très très fort ça aussi. Et lui il a un front de foudre. Bon, je peux rien faire mais prochain tour je pourrai. Son sort, place un secret de classe aléatoire sur le champ de bataille. Ah ça c'est un... Son passif est très chiant en réalité quand même hein. Qu'est-ce que je fais, je ping? J'ai envie de ping ça. J'ai envie de ping ça pour pas qu'elle donne des points de vie. Je ping. Doucement mais sûrement. Donc un cyclone de mana s'en sort, hein. Yes, c'est vraiment sur ça qu'il est parti. Bah écoute, pourquoi pas. Est-ce que je mets Luna l'astronome? Ou alors j'attends. Chaque fois que vous lancez un sort, donne plus un PV à ce serviteur. Je peux faire ça. Et faire le sort qui va du coup donner plus un PV à ma carte. Et c'est pas mal. Parce que prochain tour, je peux faire une Luna et aller déballer après, rouler jeunesse, la pioche, tout ça. Vous voulez lancer un sort? Je veux lancer un sort. Ou alors... Peut mettre un élémentaire. Je vais quand même aller regarder ce qu'il y a du côté de mon corbeau messager. Est-ce que je clean? J'ai pas vraiment envie de clean en réalité. Avec un râle d'agonie, c'est pas mal. Je prends le râle d'agonie. Je mets un autre élémentaire. Est-ce que je clean une carte?
C'est quoi déjà son sort? Ah ouais, le secret. En vrai, ça peut mettre des trucs de mort sur les créatures, je préfère clean. Je peux value à fond, bah, c'est ce que je veux dire. J'y vais sereinement. Par contre, il a... Ah, oh, celle-là. Une carte avec sur sa charge. Encore faut-il en avoir une. Ça va être trop bien. Par contre, 3 de dégâts à mon héros à chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Bon bah monsieur muscle en réalité. Très très fort ça. Et après prochain tour on fait Luna. On garde pour... Mais non parce qu'elles seront pas toutes à gauche. Donc on a presque intérêt à les faire maintenant. J'ai intérêt à les faire maintenant. J'avais prédit. Oh, c'est très fort. Certaines de mes prédictions seraient fausses. Oh ah, déclenche tous les râles d'agonie de mes serviteurs, mais j'en ai aucun, je crois. Pourquoi non? Ah, pas la copie. Ah, parce que j'ai le deck de mon adversaire et du coup c'est chiant. Non, mais c'est pas grave. C'est ok. Est-ce que je clean des choses? Non, je face. Là, c'est trop bien, hein. Tu vas pas avoir tes légendaires. Mais ouais, on va avoir plein de trucs. T'as moins de chances de piocher tes grosses cartes. Ouais, mais j'ai plein de grosses créas, là, donc c'est ok. Et puis j'ai Luna, l'astronome. Attention, parce que ça peut être une copie de quelque chose. Alors, attends. Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de copier? Est-ce que c'est la copie? Oh là là, vu qu'il y a le secret, Attends, je tente de taper. Ah, si c'est vaporisation, non, c'est ok. J'aurais dû taper avec autre chose, si c'était vaporisation, c'était terrible. Du coup, je Luna. Grimoire bavard. Contempler les outils de la création. Je ping. Je ping celle-là. Puis à un moment, il va falloir taper, quoi, je veux dire. Hein. Luna Lovegood, bien évidemment. 2 points de dégâts à tous les serviteurs non murloc. Ah! À tous les autres personnages. Bah, Luna est décédée, du coup, hein. Attention à mon hydre, hein. Je peux me redonner un peu de soin. Mes yeux sont grands ouverts. Je vais mettre ça. Et je ping sa carte. Voilà, c'est ok. Enfin, de toute façon, c'est gagné en fait. J'avais de l'étal. Moi qui y réfléchissais en mode il y a encore 10 tours à jouer. Mais pas du tout. Bon, bah, ça c'est fait. Ah, oh! J'ai envie de prendre ça! Une pioche! L'appel de l'invocateur et le Caligos, évidemment. Caligos à 5! Il est tellement fort! Je prends. Caligos, on est d'accord, hein? Avec l'appel de l'invocateur, ça va être transcendant. Allez, je pars là-dessus. C'est transcendant, c'est transcendantal. La patrouilleuse! Allez, c'est parti, je le sens bien! Salut, Leonard! Vous dites ça, mais ça fait déjà 2 fois qu'on tente de faire cette aventure quand même, hein, donc calmez-vous. Je pense que je vais garder le corbeau messager histoire d'avoir une carte un peu du début. C'est pas de la chance, c'est du skill. Oh, mais c'est bien ça. En plus, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Votre prochain cri de guerre se déclenche une fois supplémentaire. Ah! Bon, je tente quand même de mettre mon anomalie arcanique, des fois que. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une sentinelle. Oh, râle d'agonie sympa. Bah, il va venir tuer ma carte, j'imagine. Et lui, il a le roi du marais. Une fois que votre adversaire a joué, un serviteur l'attaque. Ah! Bien, bien, bien. Bon, bah, je pars sur l'apprenti du sorcier.
plein de petits chats. Il y a beaucoup de chats. Un peu trop même. Un peu trop, je dirais. Du coup, je ping et paf et je face. Voilà. Et là, prochain tour, on part sur Monsieur Muscle. Et on met plein de trucs sur le board, très très fort. Monsieur Muscle, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Provocation vol de vie. Un râle d'agonie lépreux, bon ok. Détruire un serviteur adverse avec provocation, il n'y en a pas. Est-ce qu'on le garde des fois qu'il y en aurait un? Peut-être. Peut-être. On va garder. On sait jamais. Des fois que ça pourrait servir. Et il met un secret de chasseur. Ah, est-ce qu'il a le secret du rat? C'est possible parce qu'il a, il a des rats là. Bon, ça me soigne, mais bon, j'en ai pas vraiment besoin. Cette carte va mourir, quel dommage. Sans avoir pu me faire bénéficier d'une once de soins. Par contre, Docteur Boom, hein. Bah oui! Cache d'armes, je connaissais pas cette carte. Oh, c'est pas mal. Ça va être fort. Par contre, il va bientôt déverrouiller sa carte, hein. Ah. Oh là là. Je pars là-dessus, c'est évident. 4 de dégâts, mais c'est ok, ça passe, c'est très bien. Quand bien même ça mourrait, j'ai envie de dire. C'est là qu'il faudrait déclencher Ralagogne. Ouais, mais j'ai plus cette carte. C'était tout à l'heure, ça. Un autre temps. Bon, bah, prochain tour, j'ai envie de dire que c'est gagné. Il aura même pas déverrouillé sa carte. Je vois pas comment il peut gérer mon bord, donc voilà. Ouais. J'ai tellement de vieux déchiqueteurs. Bah, il me fait overdraw, mais c'est pas grave parce que j'ai gagné. C'est la winance. Bim. Trop facile. Bon bah, ne nous emballons pas. Bon, nos serviteurs ont +1/+1. J'aime bien. J'ai envie de partir là-dessus. c'est très fort. Le livre des merveilles. Bon, au début de la partie, place 10 parchemins miraculeux dans votre deck. Je sais pas trop. Ah non. What the fuck. Bonjour les travaux, quoi. Amateur de perceuse, bonjour. Merci les voisins. Je sais pas ce que c'est un parchemin miraculeux. Je sais pas si on peut le savoir. Pas le livre, sinon tu auras moins de chances de piocher tes légendaires. Bah ouais, c'est pas faux. Du coup, non mais le passif +1/+1, c'est pas mal. C'est chez mes voisins du dessus, je dirais même. C'est ici pour la SMR perceuse. Je suis partie là-dessus du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Oh, il y a pas un guidon. Ok. Météore. Fureur du dragon. Cri de guerre, découvre un sort. La lunette pour piocher des cartes. Ou l'archimage. Moi je prendrais le drapeau. J'ai pris le drapeau aussi. Du coup là, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends jouer gros avec Fureur du dragon? Révèle un sort de votre deck. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai pas beaucoup, mais ils sont pas très élevés quoi. Ah oui, non mais vraiment. Je prends Antonidas. Allez, on part sur Antonidas du coup. Hein. Ça, quel plaisir. Vous ne seriez pas en train de nous arder, mais ce ne serait pas Bob le barman. On y va. On va voir Bob. ASMR BTP. Trop bien.
Alors, salut Bob. Non mais tout ça je garde hein. Ne croyez pas que je vais m'en débarrasser, mes cartes sont beaucoup trop fortes. Oh là là. Pff, non, bof. Pff, Baron Guédon, j'en ai déjà un. Bon, Cthulhu, peut-être. Peut-être un Cthulhu, tu vois. Il y a combien d'adversaires de maman? Il y en a 10. Donc, plus 2, plus 2, un serviteur allié. Oh. J'ai bien envie de donner à... Mais non! C'est pénible, hein! Arrêtez-vous! Stop! Stone, c'est pas utile, t'as pas les cartes qui vont avec. Ouais, bon. Alors on le prend pas. Affiche 4 sorts de votre donné, des réduits de 3 le coup d'un d'entre eux pendant cette virée. Bof, j'ai pas de grosses cartes. Vous choisissez un serviteur adverse et ça l'ajoute dans votre deck d'aventure. On pourrait partir sur un deuxième archimage. Je pense. Hein. Voilà, ça fait 1. Et on peut tenter de recruter un autre légendaire. Un autre... Oui, je disais donc, un autre légendaire... la randomisation. Ça peut être drôle. On peut tenter. Allez. Un très bon choix. Notre convive fait partie des habitués. Alors, j'avoue que Ziax, pourquoi pas. Ou alors le faucheur 4000. Oh, le faucheur 4000, c'est très très fort. En réalité, ça peut me permettre de nettoyer des trucs. Oh, le faucheur. Le faucheur, on le recrute dans notre équipe. Je vous veux dans mon équipe. Amusez-vous à semer le chaos et la destruction. C'est ok. En plus, il va coûter que 5. Alors, on a nos arrières. Il en reste que 2. 6 sur 8. Ouh là là. Il en reste que 2. Non, en fait, il n'y a que 8 personnes à affronter, vraisemblablement. Et là, on va affronter un dragon, ni plus ni moins, quoi. Je sais pas trop si c'est vraiment utile de l'archimage dans ton deck parce que tu vas pas souvent préférer mettre une de tes légendaires qui coûte 5 qu'une boule de feu. C'est vrai. Mais en vrai, Nao, on entend la perceuse, mais tu as pas besoin de parler plus fort, on t'entend bien. Mais moi, je m'entends pas. C'est terrible. Eh bien, écoutez, ce début est somme toute pas mal. Je vais le garder. Je le garde. Par contre, quel est son pouvoir héroïque? Oh, très très bon. Très très bon, j'avais oublié le plus 1 plus 1. Alors, inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Ah, tu vois, j'ai bien fait de monter mes trucs. Champion de Hurlevent, pas mal. Et lui, il a un truc avec Furie des Vents. Ok, je mets mon anomalie arcanique. Il peut déjà la tuer. Probablement ce qu'il va faire, du coup. Yes. Ben, ça valait le coup, tiens. Ah, ah, c'est aléatoire, donc ça peut être moi. Oh là là, c'est worse. Complètement worse. Du coup, je vais partir sur l'apprenti du sorcier. Hein? Oh là là, c'est trop puissant. Ça va partir en bloc déchiqueté de voisin. Ok, toutes mes cartes survivent. Pas mal. Il en a des points de vie, OMG. Ouais, mais tu vas voir. Oh! Le faucheur 4000 déjà dans la place. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le corbeau agaçant. À la rigueur, j'ai un sort, pourquoi pas. Chaque fois que vous piochez une carte, gagne plus 1 plus 1. Oh. J'aime bien l'amateur de curiosité. Parce qu'on va piocher, quoi. Dans le fond. Vous allez brûler. Oh non! Mon apprenti du sorcier qui trépasse. Le serviteur de vapeur, mais non. Par contre, c'est gagne plus 1 plus 1 quand elle est posée, quoi. Donc là, on part sur 4, on part sur l'élémentaire d'eau. Qui va résister à plusieurs sorts, hein. Moi, je face, hein, je pense que là, j'ai pas grand intérêt à trade sa créature. Ah, par contre, la provocation machin. Petit peu relou le garçon, quoi. Alors, je ping. Et je. J'inflige 2 de dégâts. Voilà, comme ça fait un sort. Je pousse ma créature, je peux même le jouer. En réalité. Et boum!
Et c'est parti, on face. Hein. Ça se passe. Hein. Affrontez les héritiers de la magie. De Dragonair. Je peux même mettre provocation. Je mets la 5. Mais non, on met le faucheur. On met le faucheur tous les jours hein, en réalité, je sais même pas pourquoi on réfléchit. On s'en fout, on face. Comme ça, prochain tour, on a gagné, voilà. C'est fait. C'est évident. Ouais, le voisin est d'accord. Le voisin a dit oui. Oh, mais c'est que ça va se régène. Alors, attends. On a 7, 8, 9, 10, 11. Ah, on n'a pas gagné. Ah bah, peut-être que si. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, pas encore. Mais par contre, on peut, peut-être, en exaltant, avoir un sort. Bah non. Nouvelle acquisition. Bon bah, prochain tour, il est mort. Faut le voir comme ça. Hein. Faut le voir comme ça. Mais là, il peut pas tuer mes cartes avec son petit pouvoir. Encore du vol de vie. Ce ne sera pas suffisant, monsieur. Et il se soigne de l'infini, là. Bah, c'est pas suffisant. Voilà. Ce n'était pas assez. C'est moins. Ah. Ok. Et donc ça nous porte au dernier boss. Il est encore là. En réalité, on le prend tous les jours. C'est évident. C'est évident qu'on le reprend. Il disait... Ah, c'est pas fini. Quelle sinistre créature, porteuse de funestes présages. Erekem. Oh là là, on le connaît pas. Je me souviens pas de lui. On va tomber sur un truc, tu vas voir. Rakanichou. Rakanichou. J'ai sais pas compter, c'est ça? J'ai dit une connerie? Yes, Nao, professeur de maths du coup. Hein. Alors attendez, on va partir comme ça déjà. C'est l'avant-dernier celui-là, ok. Oulala. Très bonne main de départ. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit que révèle un serviteur de votre deck, lui donne plus de plus 2 à la place sur le dessus du deck. Hein? Ah, ok. Donc il booste ses cartes. Mais moi aussi, mes cartes elles sont boostées. Donc c'est ok en vrai. Oh! Ah ouais, mais non. Parce que j'aurais juste envie de la jouer. Moi je vais prendre le projectile. Ouais, je prends le projectile, ça permettra peut-être de clean des trucs. Qu'est-ce que je vais déverrouiller? Ah, un truc avec provocation. Pas mal. Et lui, un archimage. Ok. Bon alors, là, la problématique, c'est que ça va pas... Tout va pas aller là-dedans, quoi. C'est pas grave, hein. On tente. Rien du tout. Très bien. Bah c'est bien. Vraiment rien. Yes, bah j'ai vraiment hâte d'arriver à mon T5 pour pouvoir commencer à faire des trucs du coup hein. Si je mets Luna, il a de quoi la tuer. C'est un peu embêtant. Je vous cache pas. Bon ben, je ping et je résiste. Enfin, j'espère.
je sais. Il va commencer à être chiant. On va mettre l'élémentaire d'eau, hein. Ah ouais, 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 il va falloir, hein. Je résiste, je prouve que j'existe, yes. Allez, l'élémentaire d'eau, c'est parti, je commence à mettre du board. Je commence à mettre du board. Je vais vous apprendre la peur. Et prochain tour, par contre, on va commencer à dérouler. Prochain tour, Aïe. Ok, il s'est auto-défoncé, mais c'est dac. Du coup, j'ai presque envie de ping ça en réalité. Vous allez brûler. Ah bah, il est terminé. Voilà. La solution à mes problèmes. Hein. C'était la solution. Ah ! Oh ! Ah bah lui aussi, il joue gros. Oh là là, mais c'est que j'ai pas beaucoup de vie là. C'est que ça descend comme neige au soleil, comme on dit. Problème, c'est que ça fait 2 points de dégâts à tous les autres personnages. Attendez, je fais corbeau messager. J'aurais dû faire Caligos. Une potion aléatoire. Non mais on prend Ronin. Ouais. Est-ce que je tue ça? Parce que c'est quand même 8 quoi. Ça veut dire qu'il reste une 4. Et je peux mettre une 2. Et au moins... J'ai pas envie de lui laisser ça. En plus elle se déverrouille celle-là, tu vois. Pose tes cartes avec du body. Des cartes avec du body, vous m'avez dit. Bah c'est reparti là-dessus du coup. Alors attends, on fait 3. Non mais j'ai pas assez. 5. Si c'est le prochain tour, je peux. Donc je... Ça part là-dessus. M'en bats les cacahuètes. Je clean ça. Parce que je m'en bats aussi les cacahuètes. Et je ping là parce que rendu ici, voilà. Pourquoi Caligos? Oh, oh là là. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne maîtrise rien. Ah lui, il face, hein, il s'en bat les couilles aussi. Hein. On va mettre Caligos, d'accord? En espérant avoir un peu de soin, là. 5. Ouh. Ah. 3 sorts de mage, ça peut être powerful, hein. Je fais ça. 2 points de dégâts et gel. Je peux ping geler celui-là. C'est ce qu'on va faire. Alors on va ping. Et celui-là... Ah, pas du tout ce que je voulais faire du coup. 6, 11. C'est pas grave, il y en a déjà une. Comment ça, Kalec, ping, secret? Ah, déçu, OMG. Mais quoi, secret? C'était bien là, ce que j'ai fait. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Après, après, j'ai peur d'avoir une petite légendaire toute pourrie là. Look ton secret. Eh ben. Ah! D'accord. Mais dans ce cas, je pouvais pas ping et geler une carte. Chaos maximum. 6. Je pense que je vais taper là-dedans parce que prochain tour, je peux boule de feu. Oh là là, en plus, c'est trop bien en vrai. En vrai, c'est ok. Oh là là. Mais toutes ces cartes, elles ont rué, genre. Provocation aussi. Je résiste! Je duplique Caligos!
Oh! Ah, attendez, là, ça change tout. Je duplique Caligos, ou n'importe même, on va dire. Je réfléchis bien. En vrai, est-ce que je pose pas l'anomalie arcanique? Comme ça, je fais Ronin. La puissance de Dalaran dans toute sa splendeur. Ah bah non, c'est Râle d'agonie. Ouais, j'aurais dû faire le Luna avant alors. C'est vrai, je l'avais maintenant quand même. Alors, là, je mets ça là-dedans. Ça là-dedans. En vrai, on est pas mal, hein. Non, mais on est quand même bien. Et du coup, c'est Caligos. Il va se calmer, lui, un peu, là. Quand même. Ok, en vrai c'est pas mal. Alors du coup je suis obligée de Baron Guédon, mais non c'est nul. Allez go. Je regarde. Place une copie de chaque serviteur allié dans votre main. Courbe sort ou vaporisation? Vapo. Contempler les outils de la création. Oh, c'est marrant ça. Oh là là, bah du coup je fais cri de guerre, découvre un sort, je vais repiocher. Ou alors non. Attention parce que j'ai plus beaucoup de trucs. Je pourrais quand même me resservir une fois encore de... Faut que je ping aussi, faut que je ping en réalité. Hein. Je peux ping là. En 3, 8, 4. Ou alors... Ou alors je tue ça, et du coup, là, je me fais plaisir. Contempler les outils de la création. Fais un effort, s'il te plaît. Merci. Et là, hop, hop. En vrai, c'est pas mal, j'ai tout clean. C'était ok ? Bah il va ruer dans... Ouais. Logique. Bon, j'ai rien besoin de faire. Je vais mettre mon vieux déchiqueteur et mon vieux déchiqueteur. Comme ça, ça nous assure des cartes sur le board, c'est incroyable. Hein. Allez, bim, ça dégage. Oh là là. Tiens, j'ai bien envie de me soigner. Soin. Caligos. Et je prends... Je prends le portrait caché, mais je peux pas le faire là tout de suite, quoi. Et je lui laisse rien sur le board. Va niquer. J'arrive à résister contre du gros, là. J'ai du gros poisson, lui aussi, mais j'arrive, je résiste. Je clean, hein. Oh! Alors, attends. Bam. Bam. Tac. 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 Ouh.
C'est marrant, hein. Bon. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire que c'est gagné, quoi. Lol. Oh bah je le fais pour la blagounette, hein. Je le ping même, tu vois. Genre j'ai vraiment zéro respect. Voilà, voilà. Oh, on l'a battu. Je pensais pas que ça allait... Heureusement, on avait des grosses, hein. Alors, un trésor, un trésor. À la fin de votre tour, invoque une copie de ce serviteur. Ah. Début de partie, vous pouvez jouer cette carte provocation et gagner plus un plus loin chaque tour qui passe dans votre main. Le client environnement sinistre, ça met des trucs sur le board, ça permettra de clean. Et... Plus de la légende, quoi. Hein. On repart là-dessus tous les jours. Eh, il n'y a pas eu le gros truc de la dernière fois. On tombe sur l'épouse de Milouz. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, déjà? Oh, 70 PV. Ça promet d'être insupportable. Si le client meurt, il sert plus à rien. Oui, mais bon, c'était histoire d'avoir un truc. Le reste n'était pas terrible non plus, j'ai trouvé. Hein. Maleficent. Alors, qu'est-ce que c'est? Putain, mais du coup... Je prends juste Intelligence des Arcanes. Oh là là, c'est pas très engageant comme début de main. Invoque une bombe écureuil 04. Ah. Et la 04, ça se transforme, j'imagine. Il a Tyrion. Oh là. Oh. Ah, les sorts adverses coûtent 0 cristal au prochain tour. Mais c'est un cri de guerre, donc ça va. En vrai, une 5-5 pour commencer, c'est pas dégueu. Yes, merci Milouz, va m'aider. Provocation seigneur du vide. Non mais c'est pas mal. Ma carte est pas mal en réalité. Oh là là, c'est... Ah non, tu me mets là pour... Ok. Bah du coup, je mets mon anomalie arcanique. Je pensais qu'il restait avec moi sur le plateau, mais pas du tout. J'avais perdu contre elle la dernière fois. Moi, je l'ai déjà battu une fois, je m'en souviens. Je me souvenais pas qu'il y avait Milouz qui est arrivé par contre. Comme quoi, j'ai pas tout retenu. Qu'est-ce que ça fait la bombe? Au début de votre tour, détruis cette carte et inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Bah du coup, j'ai intérêt à ping ça et clean ça parce que de toute façon ma carte va mourir quoi. Ah oui, mais à moi aussi du coup. Attends, mais elle commence avec combien de mana en plus, là? Oh, cheateuse, arrête de cheater. Travail terminé. Dis donc, dis donc, dis donc. Oh. Ah, ça m'a... Hein? C'était si sombre et confortable là-dedans. Ça a l'air sympa, dis donc. Bah on met le déchiqueteur. Travail terminé. Oh, fait froid, Nao. Bon courage pour l'aventure, en tout cas. Merci, Bouddha. Oh là là. Et puis ça fait, il sent. Bon, déchiqueteur. Là, faut que je clean des trucs, hein. Je clean la 5-6. Ça fait quoi? Au début de votre tour, transforme un serviteur aléatoire en poulet 1-1. Ah bah yes, si ça tombe sur moi, je suis bien ravie, quoi. Oh. Après, en espérant que ça tombe sur lui, quoi. Oh là là, please. Faut que ça tombe sur lui! Tombe sur lui! Tombe sur lui, s'il te plaît. Sur lui, la 6-6, là. Ah bah... Oui,
Oui, quand je disais sur lui, j'étais pas aussi vindicative sur le sur lui. Mais ok. Alors là, regarde ce qui va se passer. T'es prêt ? Je tue la 6-6. J'appelle de l'invocateur. Qu'est-ce que ça fait ça? Un golem de jade 1-1. Bah yes. Est-ce... J'ai pas envie de faire ça, c'est un cri de guerre qui sert... Qui m'enquiquine. Je peux ping le poulet, yeah. Ping le poulet et puis je face alors. Alléluia. Et ça fait quoi? Non, ça sort de votre deck. Ah. Bah ça c'est... C'est marrant ça, dis non. C'est un peu de la merde toi, non? J'ai comme qui dirait l'impression. Je pense que je vais appeler de l'invocateur cet archiviste de mort là. Mais attends. Regardez-moi. Ah, oh là là. Ça va falloir gérer ça, ça va être compliqué. Ah bah j'ai rien dit du coup. Est-ce que je clean? Je pense hein. Je pense que je vais clean en réalité. Ouais. Yes, yes. Je vais mettre ça parce que ça sert à rien. Puis ça, ça devrait... Attends, je peux ping. Des fois que ça met 8 à là. En espérant quoi. On espère bien sûr. On croise les doigts. On peut le dire. Vas-y, vise. Non, pas là. Innocent. Arf. Oh bah. Oh bah d'accord. Oui oui oui. Ah bah alors ça direct je vais la tuer. Alors, je laisse pas ça hein, je laisse pas ça. Je ping. Ce sera ma première solution. Ensuite, je peux regarder ce qu'il y a comme sort. Oh. Bon, prochain tour, je pourrais faire 2 ping. Yes. Vraiment ravi. Je vais clean ça. Et en vrai, je pourrais mettre Milouze. Étant donné qu'elle a qu'une carte dans sa main. Histoire de mettre du board. Peut-être qu'elle va, il va vouloir tuer son mari, quoi. Hein? Ah ouais. Tyrion, là. Ah là là. Ah! Ah! On va quand même pas perdre là-dessus! Le ténèbre s'éveille. Je pouvais tout clean avec le baron. Ah bon? Là, je vois pas comment clean, hein. Bon, est-ce que c'est pas le moment de ping? Espérons avoir un sort
Sympa. Mais là, il va taper, il va... Ah, il tue pas. Lol. Bah si, parce que la bombe va exploser. Et moi, je lui fais que 5 de dégâts. C'est pas terrible, hein. Puis surtout, est-ce qu'il va pas face? Bah non, il peut pas. Je suis con. Ah bah, attends. C'est intéressant, quand même. Oh là là, mais elle... Oh, elle est insupportable. C'est pas fini. Je pense que je mets Luna. Ah non, ça me fait déjà 6 si je fais ça. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait abandonné pendant toutes ces années. Si je fais le héros, équipe d'un cac, c'est pas terrible. Le double déchiqueteur? Mais pourquoi faire? Parce que là, il va me tuer mes créatures et il va face en fait, hein. Et j'ai perdu, tu vois ce que je veux dire? Ah non, j'ai pas perdu encore. J'ai pas perdu. Ah! Je tape pas du coup. Bon, on va bien voir. Non, il y a une provoque là. Oh, bah, super. Non, mais le déchiqueteur, il va me le mettre face, hein. Ah, il a pas joué. Non mais là c'est dur hein. Là je vous cache pas que ça devient compliqué. Bon, déjà faut ping cette chose. On est bien d'accord. Ah. Ensuite, je pense qu'il va falloir se soigner. Quand même. Donc on partirait sur un... Oui, bien sûr, je vais tuer celle-là. Pas terrible. Hein. Ça fait 7, 8, 9, 14, 15. Il a 15. Bon, je me soigne. Et je mets ça. Bah non, parce que ça va tuer mes créatures. Parce que c'est à la fin de mon tour. Je peux pas parce qu'au début de son tour il va refaire du dégât et je... Je suis probablement toute décoiffée. Attends, plus il a combien de trucs là? 5. Mais en tout pour qu'il tanque les dégâts. Je pense pas qu'il va... Je pense qu'il va face du coup... Bon. Tentons. Mais je pense qu'il va face. Oh, 9. Oh bah... Non. Une fois encore, je n'arrive pas à cette aventure, mais c'est... Terrible. J'y arrive pas! Ah là là! Hein? Ah, toujours là! Toujours! Oh là là! Bon bah je recommence hein!
Oui, j'ai perdu. T'as vu ça? C'est incroyable. Je recommence. Non, on ne se laissera pas faire. Je reprends la même base. Parce qu'on va y arriver, Hearthstone 3, Nao Zero. Mais oui, tellement chiant. Oh là là. Là, c'est le speedrunnage. Hein. C'est terrible, c'est affreux. Mais ils se moquent de nous. L'amour, ça vient. Et nous, pauvres pouilleux, ils nous laissent tous les deux. Hello, je te regarde depuis tout à l'heure, ça a l'air sympa. Là, tu dois faire 8 sur 8 win. Ouais, c'est ça. Pour passer à l'étape d'après. Tout, c'est la faute de la perceuse du voisin. Moi, je ne vois que ça. En réalité, oui, je vous le dis. S'il ne gère pas, prochain tour, je peux faire apprenti du sorcier, bim, tour de magie. Ben voilà, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Hop, apprenti du sorcier, tour de magie, je prends. La rune explosive, c'est très fort en réalité. Je prends la rune explosive. Et je tape. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un secret, par contre. Ouais. Ouais, alors, du coup, je mouton ça. Tac et face. Tac et face, hein. Sous les diamants des étoiles. Tu m'as mis la musique dans la tête. C'est ce que j'ai chanté l'autre jour. Oh, ça vole de la vie. Oh, bah non. Bah non, non, non. Non, non, en fait. Bon alors, la rune explosive. Merci bien. Bah attends. N'importe quoi. Speedrun, on a dit. N'importe quoi, du coup. Ok, alors. Les râles d'agonie qui se déclenchent deux fois. Bon là j'ai pas de râle d'agonie, ceci étant. Vos serviteurs ont camouflage en permanence. Si j'ai un pommier pourri. Je vais prendre les râles d'agonie deux fois. Et va falloir prendre du râle d'agonie quoi. C'est... Ah bah. C'était de la merde, hein. Je sens qu'on part sur de la merde. Bon, ben, je prends la main du destin. Je mets mon destin dans le sort de la main du destin. Ça va être sympa du coup. Je pense qu'on est parti sur une bonne game. Bonne game sans board. Que des sorts. Et les Zoutou, vent de pierre. Vous n'avez rien à faire ici. Ok. C'est quoi une distorsion temporelle? On sait pas en plus. Ça se trouve, je peux même pas la faire, t'imagines? Est-ce que t'as une râle d'agonie, toi? Pas du tout, hein. Yes, au moins, grâce à ça. Ça c'est sympa. Du coup, bah vas-y. On va mettre une quête, c'est la première fois que je joue une quête. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Nous verrons bien. Apprenti du sorcier. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Furie des vents. Ah yes. Anomalie arcanique, into ping, into face. Ça pourra me servir à me débarrasser d'un truc qui m'énerve. Genre ça.
très fort. Hop. Je mets le corbeau. Je peux même me débarrasser de deux cartes. Bah, je vais mettre la tempête chatoyante. Pour lancer des sorts qui ne sont pas de mon deck pour un peu step up la... Ah, ça donne un tour supplémentaire, mais ça aussi c'est la merde en réalité du coup. Ah. Ça c'est pas cool. Du coup, mouton. Ah ouais, mouton tous les jours. Et prions. Je prie, c'est bon, c'est gagné. Yes. C'est gagné, suivant. On passe dans les doigts. Alors. Bon bah il y a du râle d'agonie piochage. Et là des sorts, je peux gagner un tour. La main du destin encore, hein. Moi je pense la main du destin. La main du destin, restons là-dessus, la main du destin c'est bien. C'est une nouvelle ère qui s'offre à nous. La main dans le destin de la main. Voilà. Je pense que c'est ça. Je suis beaucoup moins inspirée par ce deck. Parce que moi j'aime beaucoup avoir des légendaires. Et là j'en ai pas. Je suis putain de magicienne là. Je joue avec la baguette magique. Ça va, j'en ai une en vrai, donc c'est RP quoi. Salut Piflo. Donnez-moi votre trésor. Bah ouais, écoute, hein, c'est pas mal ça, hein, pour commencer. Vu que je suis une mage. Et que les mages font par définition de la magie. C'est pas mal, pas mal. J'ai presque envie même d'attendre le prochain tour pour pouvoir faire les deux. Parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est pas sûr qu'il puisse me le tuer, ceci étant. On croise les doigts, on dit qu'il le tue pas? Allez. Et là, il peut, et on est choqués déçus, quoi. Vu comment c'est mal parti, autant les aider ça, on décide, c'est ça. C'est exactement ce sur quoi je table. Hop, du coup, je lance la ouverture du portail. Ça compte comme un sort. Pas mal. Pas mal. Je clean pas, je face. Ah. Lui non plus, il cligne pas d'ailleurs. Et là, je fais peut-être le glyphe primordial. Qui me permettra d'avoir un sort peut-être intéressant. Je peux faire glyphe. Ah. C'est passé un truc, non? C'est le voisin qui m'a débranché l'internet. Bah je le refais du coup, hein. Bah ouais, je me disais aussi qu'il manquait des trucs. Ah. Oh, grimoire tellement plus fort du coup, dans cette situation. Tour de magie. Résultat inattendu, somme toute, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, j'aurais envie de taper là-dedans. Pour prochain tour, ping. Ceci étant. Et voici un tout nouveau tour, rien que pour vous. Les amis. Mais par contre, j'ai pas de carte à deux. Bah si, l'apprenti du sorcier. Du coup, je ping. Apprenti du sorcier. Ah. Moutonnage de l'apprenti sorcière. C'est pas grave, face. C'est plus lent, quoi. Tout à l'heure, on avait un deck T5 des enfers, mais là, c'est pas la même, hein. Et mon savoir est immense. Je suis à 0 sur 6. Comment se fait-ce? Du coup, bonne carte, en tout cas, à avoir en début, comme ça, de partie. Oh, est-ce que je me soignerai pas?
va le soigner des enfers. Ou alors je fais résultat inattendu déjà. On sait jamais, ça peut donner des trucs. On est à 1 sur 6. Yes, on est ravis. Hein. Encore un cri de guerre inutile. Bon, attends, je ping. Je tape. Ouais, ça va le soigner, quoi. Pas terrible, hein. C'est pas terrible ce qu'il nous est proposé. Je pense que là, je vais peut-être partir sur le pommier pourri, quand même. Pour me faire du double soin. Oh oui, ça va être pénible. Ah, plus un serviteur de maman, ça c'est bien ça. Très agréable, merci. Bah c'est parti. Du coup. Faudrait tuer ça parce que c'est chiant. Ah, il y va. Il tue tout seul. Alors du coup, attendez, parce que si ça se trouve, c'est vaporisation. Non, c'est pas ça. Pourquoi cette carte, elle coûte que 3? Je sais pas. Je la joue, du coup. Ah. Copie qui est 0-1. Plige 4K. Bon, ben... Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Est-ce que celle-là, je l'aurais fait? Je sais pas, je sais pas. Je suis dubitative. Ah, c'est quand même dommage. Bon, c'est pas grave. On face. Supériorité scientifique. C'était un peu fait n'importe comment, quoi. Vous serez comme moi. Allez, full soin. Corbeau messager. Into, corbeau messager. Mais par contre... C'est laquelle qui me... Ah, c'est toi. Tu vas payer. Parce que, bon, j'aime bien mes sorts, en fait. Voilà, merci. Allez. Vu que j'ai pas mal de sorts, je prends le truc qui donne des points d'armure. Ah. Ah oui. Sympa, sympa. J'ai pas du tout l'impression d'être en match miroir, dis donc, hein. C'est ça qui est bien. Alors, là, je ping. Je 2 dégâts. Voilà. J'aurais dû mettre ça, d'abord. Je suis un peu bête. Élémentaire d'eau. Bah, du coup, il va la tuer. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Non, on est plus concentré. Ah oui, c'est complètement con. C'était très con même. Non mais ça va bien se passer. J'ai toujours pas lancé. Pourtant tout ça c'était pas dans ma main de base. Je comprends pas. Je nous réserve la suite. Attendons de voir. Ah mais moi aussi j'ai droit à des parchemins miraculeux. Ah d'accord. Vous voulez lancer un sort? Je veux lancer un sort. C'est un peu con, le serviteur au coup le plus bas de ma main, c'est ça quoi. Moi aussi je deck miraculeux, c'est marrant ça. Très drôle. Ah, moins drôle. Bah ça va être ping, hein. Putain, mais j'ai que des sorts, on va jamais s'en sortir. Ah bah très bien le bouclier divin, vraiment, j'adore. Vous le voulez, je l'ai.
Ah bah nice. Ah nice. Ah c'est marrant ça, dit donc. Le jeu joue sans moi. LOL. C'est très marrant ça. En réalité, je vous le dis, c'est drôle. J'aime bien, j'aime beaucoup. Bah yes. Oh, c'est encore mieux. Attention, c'est peut-être une vaporisation. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore des miracles, je peux le refaire, hein. Des copies, mais c'est interminable, on va jamais s'en sortir. Oh non. Vite. Il faut que je... Mais non, il faut que je deck miraculeux. Mon karma c'est la merde. Et du coup là j'ai pas d'autre choix que faire ça en fait. C'est la seule créature qui me reste, rendez-vous compte. Ah bah non, j'aurais dû le copier du coup. Que c'est dur. Ah, il me faut des sorts, hein. Choisissez une carte, n'importe laquelle. Ah. Vous avez déjà vu quelque chose d'aussi incroyable ? Une carte prête dans ma main, yes. C'est peut-être c'est peut-être le moment. Alors attendez. Pas moi! Mais non! Oh, bordel! Mais que fais-tu? Merci à Rexai pour le research. J'ai up de 2 mois en 5 jours, j'ai pas compris. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, c'est l'enfer, ce deck! Hein? Alors. Le truc, c'est que je peux pas faire de sort, hein, qu'on soit bien clair. Dans la lumière d'un nouveau soleil. Oh, par contre, s'il lance 3 milliards de sorts... oh là là... Ping. Bien sûr. Travail terminé. Attends, parce que du coup, je me dis, oh là là, imagine. Imagine, c'est le truc qui rajoute 8 d'armure ou qui rend insensible. Tu vois le genre de truc? Parce que là... Oui. Ouf. Oh, c'était dur. Ça va être très très dur, hein, de performer avec ce deck, je pense. C'est vraiment n'importe quoi qui se passe, hein. Bah voilà, nous qui manquions de légendaires. C'est ça qu'il nous faut. Il nous fallait la bougie dorée. Je prends la bougie dorée. Alors, ensuite... c'est vrai que le deck miraculeux... C'est la main du destin. La main du destin. Je continue là-dessus. Ah, bah j'ai géré que ça. Toujours la main du destin, c'est vraiment... on sait jamais sur un malentendu. Ça peut marcher, hein, genre, on sait pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun fucking sens. Ah, c'est bien ça, comme ça on a la carte du singe doré aussi, c'est cool.
Ronin, pyromane, pyromane. Ah, Ajoute deux sorts aléatoires, ça c'est bien, Nefarian. Ça c'est... Nefarian, c'est bien. Jouons les méchants. J'ai envie de tourner général. Chaudement. Et de me donner 5 points de vie en plus, ce ne sera pas du luxe. Hop là. Merci à tous. C'est bon. Je mets ça sur votre note. Eh ben, c'est gentil, Bob. Si tu termines les 8 avec ce net, j'arrête ton jeu. Mais là, c'est la main du destin. Hein. Le destin va en décider. Jusqu'à présent, le destin n'était pas favorable à ce que je finisse cette aventure. Je ne sais pas. Hein. Là, j'ai vraiment mis tout mon être dans sa main. Rakanichou. Ça n'a aucun fucking sens. Je sais exactement où tout cela nous Ok. Ok, bah moi aussi je sais où ça nous mène. Hein. Tout pareil que toi. Et surtout ce super passif râle d'agonie hein, qui nous sert vraiment énormément. Alors on lance la quête. C'est quand même le but du jeu, je dirais. Voilà. La chair est faible. Ok, bah moi, bon, écoute. Moi, je vais partir sur un petit grimoire bavard. Non, pas du tout. Sur un glyphe primordial. Et on prend un blizzard à 4. Ou une tome d'intelligence. Qui va nous step up le truc encore. Travail terminé. Voilà, un serviteur allié. Mais écoutez, c'est pas mal. Ce qui est 1 sur 6. Pourquoi ça ne s'affiche pas 1 sur 6 c'est quand même un comble, quoi. Le passif, c'était le best choix qu'on avait à faire. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors du coup, bah là, je vais mettre mon grimoire bavard. C'est vraiment pas folichon, hein, mais... En même temps, voili voilou, quoi, j'ai envie de dire. Allez, on ping ça. Enfin, moi, histoire de dire qu'on ping un truc, quoi. Il est mort. Par contre, 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire. Ah oui, quand même. Quand même, quand même. Hein. Je peux en invoquer une copie. Et ça, c'est fort. C'est fort en réalité. J'invoque. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ah du coup, il fait le ménage. Je tuerais bien ça, quoi. Hein. Tuerais bien ça, c'est évident. Deux copies dans ma main, ouais, mais surcharge 1. Alors que... Ciao, maximum. Lançons le singe doré, j'ai envie de dire. Vous avez l'artefact ? Bam. Et bim, on tue. J'aurais quand même pu mettre un là, histoire de dire, j'ai pas optimisé mon truc. Même les cartes qui lui proposent le jeu sur votre jeu frappe au pif. Et alors là, par contre, je peux dupliquer. Comme ça, je peux me faire plusieurs singes dorés. C'est pas mal, ça. Alors, je fais anomalie. Apprenti sorcière. Duplication. Pas mal. Et est-ce que j'irai pas face ? En réalité, oui. L'avenir renferme les murmures des chasseurs. Nous sommes. Par contre, si tu me tues ça, c'est chiant en vrai, le dupliquer sur ça. Oui, c'est chiant. Très très chiant. Quoique, ça monte les points de vie, hein. J'aurais préféré avoir Elise cherche étoile. Pas faux. Bon bah alors ça c'est intéressant, donc on met les deux. Ça.
complètement random, hein. C'est la randomisation. C'est un concept. Est-ce que je ping? Je ping là. J'espère que c'est pas vaporisation. Dans le doute. Est-ce que je cligne pas ça d'abord? Allez, dans le doute. C'est vraiment dans le doute, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Chaque fois que vous placez une carte de votre main, je joue une copie dans votre main. Ok. Oh là là! Faut le secret, là! Bon, bon, bon. Je pense que si c'est un secret vaporisation, il vaut peut-être mieux que j'aille taper avec ça. Au cas où. Bien pensé, Nao. Le deck miraculeux, c'est parti. La main du destin, hein, comme on dit. Et je mets un dragonnet féerique. Ok. Bah si tu veux. Je peux clean ça. Et je tape. Allez. C'est parti. Prochain tour, on va pouvoir Nefarian quand même. Hein. Et... Mais calme-toi. Il ne veut pas se calmer. Hein. Par contre... Ah non, il faudrait que je ping ça. C'est chiant. Oh bah je ping pas ça, je mets ça en fait. Insensible, place un sort de mage à la tour de votre main. Bon, on va bien voir. Hein. Prochain tour, je mets le grand méchant archimage, je pense. Des mages. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Je doute de ta win, mais bon, le carnat nous réserve souvent des trucs. Avez-vous besoin d'une bénédiction? Ah là là. Ah oui, il va face du coup. Hein. Dac. Et oui. Et oui, oui, oui. Ah, encore? Alors, attendez. Est-ce que je clean? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En réalité... Pique une de 1? Je t'en pot alors. Je pique une de 1. Je me soins. Mes yeux sont grands. Et le deck miraculeux. Et je clean un truc. Genre. Là. Attends, qu'est-ce que tu fais toi déjà? Si, ah ouais. Je laisse pas se soigner, je pense. Voilà. On va bien voir. Les secrets des paladins se révéleront d'eux-mêmes. Contempler les mystères de la lumière. J'aurais tellement de trucs à ping. Allez, face, hein. Ils sont bas, les steaks cachés, hein. Oh, ah ouais, tellement. D'accord. Attendez, tour de magie. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Je retente un sort. Inutile de vous cacher que... Est-ce que je clean? En réalité, je peux résister. Je résiste. Pourquoi je vous ai écouté? Non!
tue pas. Ah bon bah, comme ça, le problème est résolu. Je n'ai absolument pas gagné. Et ce n'est encore pas aujourd'hui qu'on finira cette aventure. Peut-être jamais, du coup, hein, on n'y arrivera jamais. C'est bien parce que je débloque des trucs, mais j'y arrive pas avec le truc de base. Du coup, c'est terrible. Du coup, bah merci à tous d'avoir encore assisté à ce fort pourpre une nouvelle fois. Ça veut dire qu'on y retournera. Parce que le destin n'a pas voulu aujourd'hui, mais le destin voudra peut-être un autre jour. Il faudra retenter notre chance. Du coup, je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Nous, on se retrouve ce soir à partir de 18h30 pour un pré-live et 19h pour du jeu vidéo. Des bisous et à tout à l'heure.